presto! Musique qui est à la fois d'une grande sérénité et d'une grande intensité. C'est le début de la première suite pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach. Ce qui est étonnant dans ce morceau, c'est que jamais on n'éprouve de frustration de n'entendre qu'une seule note à la fois, et jamais non plus on est lassé par la régularité de ces notes. C'est le tour de magie de Bach qui réussit à créer une musique qui s'écoule naturellement et dont on a l'impression qu'elle pourrait continuer ainsi, tel un organisme vivant. Bach a composé ses suites pour violoncelle durant une des rares périodes de sa vie où, au service d'un duc bienveillant, il bénéficiait d'un peu de confort matériel et il n'écrivait pas de musique religieuse. Néanmoins, comme le reste de sa musique, ses suites, interprétées ici par le violoncelliste Raphaël Pidoux, nous transmettent quelque chose de l'ordre du sacré. Violoncelles ont longtemps été considérées comme de simples exercices d'apprentissage et n'étaient presque jamais jouées. C'est le grand violoncelliste catalan Pau Casals, alors adolescent, qui les a redécouvertes au début du XXe siècle. Grâce à son travail passionné, le monde a pu s'apercevoir que ces suites inconnues constituaient la plus belle des musiques écrites pour le violoncelle. Thank you.
Presto! Love.